Et salut tout le monde, c'est STVO, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. STVO, vidéo, je sais pas si t'as vu la rime un peu, bref. On se retrouve aujourd'hui sur une vidéo réaction par rapport à un article que j'ai pu voir sur internet à propos d'Arya Permana, qui est un jeune indonésien de 10 ans. Un jeune indonésien de 10 ans qui fait dans les 190 kilos, donc environ 400 livres. Je sais pas si vous réalisez, mais à 10 ans, 190 kilos, c'est vraiment énorme. C'est vraiment plus qu'énorme. A savoir qu'il fait environ 5 repas par jour et qu'un repas est l'équivalent d'un repas ou deux pour un adulte. Donc, pour leur défense, les parents de Arya Permana, donc à l'âge de 2 ans, ce jeune homme avait déjà était déjà un petit peu en surpoids et a eu une croissance physique supérieure à la normale. Et ils étaient très fiers du fait qu'il soit grand. Et costaud pas au niveau des muscles, hein, costaud au niveau du bide, hein. Et ne se sont jamais alarmés du problème d'avoir un fils obèse, même plus qu'obèse. Et c'est seulement récemment de voir que leur fils était incontrôlable, ne vivait plus, parce qu'il passe la plupart du temps de sa journée dans une baignoire. Donc je sais pas s'il y a de l'eau, parce que s'il y a de l'eau, ouais, c'est pas mal niveau articulation, comme ça il repose pas sur lui-même. Mais s'il n'y a pas de l'eau, c'est peut-être parce qu'il se sent casé dedans, je sais pas. Mais en tout cas, il passe ses journées dans une baignoire, ou sinon, il la passe à manger et à dormir. Donc, pas besoin de vous faire un dessin, 190 kg à 10 ans, il n'est pas capable de se mouvoir tout seul. Donc, pas besoin d'être Einstein pour deviner qu'il n'a aucun cercle niveau ami ou social, mis à part peut-être ses parents. Donc, voilà, c'est l'enfant le plus gros au monde aujourd'hui. Donc, à savoir qu'avec un tel surpoids, cet enfant, sans être médecin, hein, ça tout le monde le sait, hein, 190 kg à 10 ans, il va avoir des problèmes de santé cardiaque et d'autres problèmes de santé au niveau du foie, du cœur. En fait, d'après vers tout, et à 10 ans, à faire 190 kg, il a déjà des dégâts irréversibles au niveau de tout ce qui est organes. Donc, je doute qu'à ce poids-là, il vive très longtemps. Donc c'est terrible à dire et terrible à voir, parce que comment on peut être parent et laisser son fils devenir aussi gros pour sa santé, même quand on le voit, je vais vous mettre les images, c'est inconcevable de pouvoir laisser un enfant de 10 ans atteindre ce poids-là. C'est inconcevable. Donc je sais pas ce que vous en pensez, je vous invite à réagir sur cette vidéo dans les commentaires. Moi, je sais pas si les parents ont laissé faire exprès pour atteindre un record au monde, parce que du coup, il va être dans le Guinness des records. Donc, je sais pas si c'est pour pouvoir toujours toucher de l'argent, parce que je sais pas. Comment on peut, parce qu'on peut pas dire, j'ai pas fait exprès, mon fils est devenu comme ça tout seul. Ils le nourrissent, cet enfant. Surtout en Indonésie, l'argent, je sais pas s'ils sont riches ou non, mais l'argent, ça court pas les rues. Donc, comment ils peuvent se permettre de nourrir leur fils 5 fois par jour avec ce qu'ils mangent les deux parents, juste pour un enfant. Donc déjà, ça coûte de l'argent, et voir son fils grossir comme ça, je sais pas comment ils ont pu laisser faire ça. Voilà, donc c'était STVO, c'est la fin de cette vidéo, et je vous souhaite de passer une bonne journée et de bonnes vacances d'été. Ciao.